moi, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir des gens pour me parler de stratégie. Mais avant tout, quelques petits rappels. Écoutez, l'activité d'aujourd'hui va être disponible dans les prochaines semaines sur notre chaîne YouTube, peut-être au début de l'automne. Je ne suis pas sûr si on va avoir le temps de publier ça d'ici le début de l'été. Mais vous allez pouvoir, si vous voulez réécouter ou si vous voulez partager avec votre conseil d'administration, ça va être disponible sur notre chaîne YouTube. Le sujet d'aujourd'hui, changer pour mieux faire, profiter de sa planification stratégique pour améliorer les choses. Au quotidien, je forme des gens et je pose toujours la question, combien d'entre vous avez des planifications stratégiques? Et ben, écoutez, c'est toujours phénoménal de se rendre compte qu'on a encore beaucoup d'éducation à faire sur l'utilité de la planification stratégique, sans compter après ça, comment on va l'utiliser. Ben, j'ai la chance avec moi d'avoir trois personnes pour parler du sujet. J'ai Catherine Lamontagne de Rocom. Bonjour Catherine. Bonjour. Je vous donne la chance de vous présenter un petit peu plus en détail. Sophie Morfaux, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et Claire Raymond. Donc, un panel qui, à l'exception de moi, est 100% féminin. Peut-être un petit deux secondes avant qu'on commence pour que vous puissiez vous présenter et un petit peu me parler de votre expertise. Claire, je commencerai avec toi. Bonjour tout le monde. Donc, Claire Raymond, ça fait 7 ans que je suis consultante avec différents mandats et j'ai une expérience terrain, donc 20-25 ans. Donc, vous voyez à la couleur de mes cheveux que ça fait quelques années que j'œuvre dans ce domaine-là. Donc, 20-25 ans en direction d'OBNL, de différents types d'OBNL. J'ai été aussi conseillère, là, je suis autant économique que sociale en passant, donc autant au niveau d'un CLD, un centre local de développement, d'une MRC, d'une CRI, conférence régionale des élus. J'ai aussi été formée à l'école d'entrepreneurship de Beauce en entrepreneuriat social et j'ai été membre de différents conseils d'administration nationaux, dont la Table nationale des corporations de développement communautaire, le chantier d'économie sociale. J'étais la représentante de toutes les CRI du Québec pour le premier plan d'action gouvernemental en économie sociale. Donc, j'ai touché à plusieurs domaines clientèle. Et depuis 7 ans, je travaille, on s'est formé une équipe, donc que ce soit autant en gestion financière, en marketing, des avocats, des révisions linguistiques, tout ça. Donc, j'ai une bonne équipe là, pour répondre à différents mandats. Puis ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je connais bien votre réalité et honnêtement, avec tous les changements qu'il y a eu, le manque de main-d'œuvre, tout ça, j'ai une bonne idée de votre charge de travail et votre charge mentale. Voilà. Merci Claire. Sophie, à toi. Et bonjour à tous. Alors, moi, je suis spécialiste en fait en stratégie du changement. Donc, je suis issue du monde de la communication. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années en communication corporative. Là, ça fait 12 ans que je fais du conseil stratégique, gestion de changement et communication corps interne. Évidemment, c'est lié. Et puis, ça fait 2 ans et demi que je me suis mise à mon compte pour travailler beaucoup plus selon ma propre façon de faire. Et j'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises sur des planifications stratégiques, puisque nécessairement, des planifications stratégiques découlent des changements. C'est là que naissent les changements. Donc, c'est bien plus intéressant de démarrer dès le début la réflexion, dès la création de la planification stratégique. Donc, c'est ça. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler quelques fois avec les OBNL, mais je n'ai pas l'expérience de Claire. J'ai l'expérience aussi de la grande entreprise, parce que j'ai aussi longtemps travaillé dans la grande entreprise. C'est ça. Aujourd'hui, je travaille beaucoup plus avec des PME que la grande entreprise en ce moment. Alors, oui. En fait, ça fait un peu le tour. Oui? Oui, non, j'allais dire, je pensais que tu avais fini, excuse-moi. Non, ben c'est ça, c'est ça. Claire a été plus complète sur moi, sur la présentation que moi. Parfait. Et on termine ça avec Catherine. Et Catherine, moi, je suis tombée dans le bain des OBNL, ça fait une dizaine d'années. Dans le bain, dans le sens qu'avant, j'étais de l'autre côté du miroir dans les conseils d'administration. Donc, j'avais siégé dans différents conseils, je m'impliquais bénévolement. C'était important pour moi. Puis là, quand j'ai découvert l'envers du décor, donc plutôt comme employée, en m'impliquant dans la stratégie, dans une association, voir toutes les ramifications que ça avait, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, le lien avec les valeurs aussi,
la mission plus sociale. Il y a eu vraiment une histoire d'amour avec les OBNL en lien avec ces éléments-là qui m'ont conduite finalement à quand même partir de mon entreprise en service conseil, qui est Orocom. Maintenant, ça fait 7 ans que ça existe. Et puis, on accompagne les OBNL. Au début, c'était en communication, en marketing, puis maintenant, c'est en management aussi. Donc, on fait l'alignement stratégique, puis on peut couvrir l'ensemble des aspects dans une perspective plus holistique. On est très pratico-pratique, agile. On intègre le développement durable à notre approche. C'est un petit peu notre particularité. On est une équipe de 7, bientôt 8, 9. Là, on est en processus. Donc, c'est ça, on œuvre avec différents types d'OBNL, mais principalement associatifs ou des OBNL qui ont à concerter ou à travailler avec de multiples parties prenantes. C'est dans ces environnements-là où on est le plus à l'aise là, à fonctionner. Oui, je dirais ça comme merci, ça. Merci, mesdames. C'est un plaisir d'être avec vous. Ben, ce qui est intéressant à vous écouter, ça va être une complémentarité. Là, vous êtes tous issus de l'expertise différente, mais qui touchait toutes les trois au sujet de la stratégie. On va parler de stratégie en termes général, puis après ça, on va mettre des concepts sur les propositions en tant que telles. En guise d'introduction, je veux juste rappeler à tous ceux qui nous écoutent que la stratégie devrait être votre plus grand élément de gestion. Puis on va regarder ça dans le détail, mais ça a une influence sur à peu près tout ce que vous allez faire en OBNL. Pour placer la table, on va juste s'attarder au terme puis démystifier un peu tout. Là. Tu sais, plan stratégique, processus de planification stratégique, plan d'action, stratégie. Ça fait bien des termes, là. Catherine, je commencerai avec toi. C'est quoi ta vision des différents morceaux? Puis comment tu définis la différence entre la planification, le plan stratégique et le plan d'action? Oui, mais je commencerai même avec la stratégie. Tu sais, la stratégie, on l'envisage dans un horizon à long terme. Si on avait à le comparer à un objet, là, je dirais que c'est comme une boussole. En fait, ça nous indique le nord, ça nous projette, mais ça ne nous dit pas comment on va se rendre. Est-ce qu'on va passer, on va y aller en auto, en bateau, on va-tu passer à droite, à gauche, ça, c'est pas clair. Mais on sait c'est où on s'en va. Donc, il y a une dimension long terme, objectif, vision. On a un but, on veut se rendre là. Ensuite de ça, bien, le plan stratégique, la manière que je le conçois, c'est comme une carte pour moi. Donc, c'est là que tu vas voir toutes les possibilités, les différents chemins. Puis après ça, bien, cette carte-là, comment tu l'utilises? Bien, c'est dans, après ça, la façon que je le vois dans ton plan d'action. Là, c'est OK, bien là, je vais prendre ce chemin-là en particulier sur ma carte pour me rendre, pour avancer vers mon objectif. Donc, je dirais que c'est un peu comme ça que je le conçois de mon côté. Sophie, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur ce que Catherine vient de dire? Oui, ben, j'aime bien ton image, Catherine. C'est très parlant d'avoir la boussole. Pour moi, la boussole, je la vois aussi beaucoup plus, beaucoup sur la vision également, parce que la vision, c'est vraiment ça qui va nous guider, en fait, savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, en fait, qu'est-ce qu'on veut vraiment devenir, qu'est-ce qu'on veut façonner, en fait, comme monde. Donc ça, c'est la vision qui est hyper importante. Puis, le plan, comme tu dis, c'est la façon dont tu vas s'y prendre pour atteindre cette vision-là. Et le plan d'action, c'est comme une déclinaison du plan de la planification stratégique. La planification stratégique va nous donner des grandes orientations. Ça va en fait nous donner des pistes de travail, des axes de travail. Mais le plan d'action concret sur les actions qu'on fait tous les jours ou les projets qu'on met en œuvre, le plan va découler du plan stratégique. C'est comme si il y avait la vision, la stratégie, la planification et ensuite le plan d'action dans l'ordre des choses. Puis le processus de planification, c'est le travail en fait qu'on va faire pour aboutir à la planification. Et dans le processus de planification, il y a toutes sortes d'étapes, y compris la partie vision, stratégie et plan d'action. Claire? Moi, je vais rajouter à ce qui a été dit. Je suis d'accord vraiment. Puis la boussole, c'est une image que je prends aussi. Donc, moi, je vais rajouter la photo de l'organisation au moment présent, donc le diagnostic. Et pour moi, le diagnostic, la photo au moment présent de l'organisation, c'est ce qui va... C'est selon moi ce qui est le plus important parce que c'est à partir de ça qu'on va faire notre planification, qu'on va faire notre plan d'action. Ça se rattache, c'est vraiment super important. Moi, je passe plus de temps sur le diagnostic. Et je dirais aussi pour les organisations, c'est que la boussole fait en sorte que
on n'aura pas tendance à aller chercher ou à diriger nos actions vers les subventions qui sont offertes. Et ça, c'est souvent dans les organisations, une direction qu'on prend, il y a une subvention, on va créer un projet. Tandis que quand on a une bonne planification stratégique, on a une bonne vision, on sait qui on est, on sait où on veut aller, ça facilite les choses, puis ça nous évite de nous éparpiller puis de créer des projets qui finalement vont tomber à l'eau par la suite. Voilà. Moi, je te dirais, Claire, j'avais un mentor qui disait une bonne stratégie, ça te permet de dire non. Puis on a beaucoup de misère des fois quand on est DG à dire non à son CA, mais ouais. Sauf que quand on utilise l'outil de la planification stratégique, puis des fois, tu sais, tu as souvent un administrateur qui arrive après un bon week-end en famille, « Hey, mon beau-frère m'a parlé de telle affaire, faut qu'on fasse ça. » Tu as sûrement vécu ça là, dans la salle. Là. Fait que des fois, la planification stratégique, ça permet de se dire, « OK, cette initiative du beau-frère ou de la belle-sœur ou du copain ou... Ben, est-ce qu'elle nous amène où on veut aller ou est-ce qu'elle nous nuit puis est-ce qu'elle nous écarte du chemin qu'on veut prendre? » L'outil a vraiment son importance. D'ailleurs, en termes d'importance, est-ce que vous connaissez des OBNL qui vont bien sans planification stratégique? Je vous pose la question, là, est-ce qu'il y a une des trois? Ben là, j'en connais une, mais tu sais, c'est l'exception qui confirme la règle. Puis elle en a pris une finalement. Fait que ça veut dire que c'est même plus une exception. Ah, puis ouais. J'aime bien la question de Marianne, tu sais, qui dit que dans le communautaire où on est financé au projet, il faut quand même adapter notre plan d'action aux opportunités de financement. Vous en pensez quoi, mesdames, de ce Catherine? Hey, moi, j'en pense que c'est préférable de travailler un modèle qui nous permettrait d'être autosuffisant pour se sortir de ce cercle-là. Ah. Je ne trouve pas que c'est un cercle pérenne. Genre, si on envisage tout le développement durable, ce n'est pas pérenne. Claire, je suis sûr que tu as quelque chose à rajouter. Oui. En fait, ça dépend dans quel domaine. Là, les organismes communautaires, mais ceux qui sont financés par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ont quand même une mission et ils sont financés pour leur mission, là, une mission globale qui est importante. Avec une planification stratégique, effectivement, oui, il y a des choses qui pop, il y a des projets, il y a du financement par projet, on en parle de plus en plus, mais il y a des financements par projet qu'on peut accepter parce que ça va dans notre vision de développement, ça va dans la réponse aux besoins de la communauté, de nos participants. Et il y a d'autres financements par projet qu'on devrait refuser, honnêtement. Sinon, c'est là qu'on dévie de la raison pour laquelle on a été mis en place. Donc, un OBNL, là, surtout en santé et services sociaux, ça doit partir de la base, donc de la communauté. Et si on veut rester dans cette ligne-là, il faut apprendre à dire non. Stéphane le disait tantôt, il y a des endroits où on peut dire oui, mais il y en a d'autres qu'on devrait dire non. J'irais même, Claire, si tu permets de rajouter, à la limite, je dirais que dans un cas comme ça, mon premier objectif stratégique, ça serait de varier les sources de revenus et d'assurer une meilleure structure financière en termes de revenus, qui est à intégrer d'autres principes en économie sociale dans l'offre de service pour solidifier l'organisation. Ça serait un objectif stratégique de sortir de cette situation-là. Oui, Sophie, ajouter, il faut faire attention avec les missions, le financement à la mission globale. Quand on intègre trop d'économie sociale, parce que oui, on peut avoir des projets d'économie sociale, il faut faire attention à notre mission de base et à notre financement de base. Juste ça. Sophie, tu viens de la grande entreprise. Quand on parle de stratégie en OBNL, il y a quelque chose qu'on veut intégrer de plus en plus en s'inspirant des pratiques en grande entreprise. C'est la mise en place des indicateurs, les fameux KPI. J'aimerais commencer avec toi sur cette vision-là où le CA doit s'accorder avec la direction sur quelles sont les données qu'on va suivre. Comment tu intègres ça, toi, dans ta pratique? Puis qu'est-ce que tu as comme conseil face à ce bout-là? Ben moi, j'ai tendance à dire qu'il faut le moins d'indicateurs possible parce que j'ai vu souvent des tableaux de bord beaucoup trop complets qui prenaient beaucoup trop de temps à mettre à jour. Après, ça devient une job à temps plein, rien que de mettre à jour ces indicateurs. Donc, en fait, il faut vraiment choisir ceux qui sont les plus intéressants, qu'il faut choisir avec parcimonie, puis il faut vraiment avoir le minimum de chez le minimum.
puis trouver ceux qui ont le plus de valeur pour pouvoir décider ou pour pouvoir aller prouver des choses, que ce soit à nos clients, nos partenaires, ou si on a des subventions, puis qu'on a besoin de ces subventions-là, il faut qu'on prouve des choses, ben, il faut que ces indicateurs nous servent. Mais il faut vraiment choisir l'indicateur qui va avoir une utilité très importante dans notre processus de décision ou dans notre processus de financement, etc. Parce que sinon, c'est très facile de s'enfarger dans tout un tas de sortes de choses. Puis, il faut aussi des indicateurs qui soient faciles à aller chercher. Si c'est trop compliqué, qu'il faut faire un tas de calculs et qu'on n'a pas les chiffres, ça va être trop énergivore. Donc, il faut des choses très simples, en fait. Il faut vraiment... et puis, il faut se coller, évidemment, à notre mission puis à notre vision. Si on sait que, je ne sais pas moi, dans notre planification stratégique, on s'est dit, ben, nous, un des axes de travail, c'est d'aller chercher la mobilisation de nos membres. Bon, ben, posons-nous la question, comment on fait pour aller chercher simplement un taux, un chiffre qui va nous permettre de mesurer au fur et à mesure du temps la mobilisation des membres. Donc, il faut que ça soit simple. Puis, il faut qu'on se cantonne à ça. Voilà, et on en prend le minimum. Moi, c'est ma... Parce qu'en grande entreprise, c'est... c'est beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de choses. même dans la petite, des fois, on s'écarte de ce qu'on veut atteindre. Tu rajouterais quoi, Catherine, sur les indicateurs de performance? Moi, j'ajouterais, on a testé dernièrement différentes façons peut-être plus agiles. Oui, d'avoir au minimum, je partage l'avis de Sophie, puis pour faciliter le suivi du CA, d'avoir des indicateurs de progression en complémentarité. Donc, est-ce que l'action est non commencée, planifiée, commencée en consultation, en attente d'un tiers, etc. Donc, tu sais, des fois, d'avoir non pas seulement une mesure, mais juste de s'assurer qu'on avance avec tous les aléas de la vie que vous vivez dans vos organisations. Mais ça peut être suffisant pour garder le focus ou garder la direction qu'on veut prendre vers, si on regarde le nord là, comme notre boussole, donc de s'assurer que ça avance. Ça peut être en complémentarité au peu de KPI qu'on sélectionne. Ouais. Claire? Moi, je dirais que ce qui est le plus difficile à mettre des indicateurs de performance, c'est sur le qualitatif. Donc, oui, il y a le quantitatif, c'est facile de dire « je veux rejoindre » X personnes de plus, tout ça, mais le qualitatif en développement social, c'est plus difficile, puis il faut prendre un petit peu plus de temps parce que c'est important pour, si on veut répondre là, aux besoins de notre clientèle. Là. Donc, le qualitatif, puis il ne faut pas en mettre trop, je suis vraiment d'accord avec vous autres, là, mettez-en pas trop, c'est trop compliqué, puis ça prend trop de temps. Oui, puis bien des fois, c'est qu'on n'a pas les systèmes pour être capable de produire les données qui nous parlent. Là. Puis ça, c'est. On a fait d'autres rendez-vous, on a parlé de transformation numérique, mais s'il y a une place où on va faire des changements avec certains types de logiciels, ne serait-ce que juste un logiciel comptable et non pas une tenue de livre à la main, on peut obtenir des données probantes en l'organisant et en étant capable de s'entendre avec notre conseil d'administration. Mais d'ailleurs, si on va là, écoute, on a le conseil d'administration, on a la direction, on a les employés, on a les bénévoles, on a d'autres types de parties prenantes, on a nos bénéficiaires qui sont nos participants, on a nos clients, nos bailleurs de fonds. On fait quoi avec tout ça pour s'assurer que tout le monde prenne la direction qu'on veut avoir avec notre plan stratégique, avec qu'on ait une stratégie qui est globale? Puis comment on en fait un projet commun, Sophie? C'est toute la stratégie du changement, c'est-à-dire que quand on veut qu'il y ait un mouvement de plusieurs parties prenantes pour aller dans une direction, quelle qu'elle soit, nécessairement, il faut que ça soit collectif. Donc, pour que le plan soit stratégique, il va falloir le construire avec les gens qui sont impliqués, impactés ou touchés par le plan. Donc, il faut absolument les inclure dans la réflexion. Donc, il y a plusieurs façons de faire pour les inclure dans la réflexion. Moi, je suis partie prenante de faire plusieurs séries d'ateliers de travail en incluant des représentants de toutes les parties prenantes parce qu'on veut toutes les perspectives. Et c'est grâce à toutes les perspectives que, on va faire des changements qui ont du sens pour tout le monde et des changements viables. Et aussi, par là même, on va mobiliser les gens. On les mobilise parce qu'on les implique. Si on travaille juste dans son coin pour faire un plan, le plan va appartenir aux personnes qui l'ont créé. Puis quand on va vouloir inclure des gens là-dedans ou quand les autres vont devoir faire des actions, ils ne vont pas se sentir concernés parce qu'ils n'y auront pas pensé, ils n'auront pas cheminé comme les autres l'ont fait. Donc, ça va être hyper important
d'inclure tout le monde et de trouver un système pour que justement ça fonctionne bien et que tout le monde se sente mobilisé parce qu'ils ont construit le plan ensemble. Catherine, tu rajouterais quoi? Je ne rajouterais pas grand-chose parce que je suis entièrement d'accord avec toute cette perspective-là. Puis, tu sais, le plus tôt on les implique, le mieux c'est. Et puis, tu sais, dernièrement, on avait même fait la planif avec l'animateur communautaire, mais dès le départ, là, puis dans toutes les rencontres, c'est intéressant parce qu'à la fois, c'est un exercice de communication, d'alignement et puis de formation. Tu sais, quand on implique les parties prenantes, on les sensibilise à notre version, nous, on sensibilise à leur version, c'est très riche, en fait. Et puis, ça n'empêche pas du tout, par la suite, le conseil d'administration de trancher puis de faire, tu sais, des choix dans cette démarche-là. Puis après ça, on peut être ferme sur l'objectif, mais flexible sur les moyens. Puis c'est là que cette richesse-là est mise à contribution. Claire, j'ai envie de changer un peu la question pour toi. J'ai envie de te poser. Non, c'est pas pour que tu répètes la même chose que les autres, mais je suis plus ça appartient à qui l'exercice? Qui fait quoi? Comment je me positionne en tant que DG? C'est-tu ma responsabilité? C'est à moi d'apporter des idées en tant que gestionnaire? Comment tu vois ça, toi? En fait, je dirais la première chose pour un DG, ça serait de voir une planification comme, non pas comme une dépense, et ça, c'est un argument amené à votre conseil d'administration. Ce n'est pas une dépense, mais c'est vraiment un investissement. Et une planification stratégique, c'est sûr que l'opérationnel, c'est plus au niveau du DG, de la DG là, qui s'occupe de ça, mais d'inclure les filles, Sophie, Catherine l'ont dit tantôt, d'inclure dès le départ tout le monde, c'est gagnant. Consulter le maximum de gens, c'est gagnant. Et de faire valoir aussi que, il y a plein de choses qu'on peut faire dans une planification stratégique et tous les liens qui peuvent être tissés. Ça apporte autant au conseil d'administration, ça apporte à l'équipe de travail, ça apporte dans le milieu, là, c'est énorme. Puis c'est vraiment un investissement. Le DG, je pense, a un rôle opérationnel. Conseil d'administration, c'est d'appuyer sa DG ou son DG dans tout ce processus-là et d'y participer le plus possible. Puis en même temps, lors des ateliers, des consultations, là, les membres du conseil d'administration, j'ai vu, il y a des membres de conseil d'administration qui n'avaient jamais rencontré le personnel de l'OBNL ou les participants. Donc, ça fait une belle mixité. Les gens apprennent à se connaître et souvent, ce qu'on n'a pas prévu dans une planification, c'est que ça réduit beaucoup d'irritants. Beaucoup, beaucoup d'irritants parce que les gens apprennent à se connaître, qu'il y a des liens qui se tissent. Bon, puis ça réduit les irritants parce qu'on a une direction commune auquel on a, comme Sophie disait, on a l'ensemble des parties prenantes qui y participent. Ouais. Après ça, c'est plus simple quand on passe des messages, on a des communications, on a des nouvelles activités, mais un peu tout le monde comprend dans quel axe ça va se faire aussi. Au niveau de la responsabilité, Catherine, toi, est-ce que tu aurais quelque chose à nous proposer sur le rôle principal du conseil d'administration? C'est de trancher. C'est de s'aligner. S'aligner, trancher. Dans le sens où, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils pensent qu'ils vont dans la même direction, mais quand tu les amènes à parler des fondamentaux, tu sais, sur qu'est-ce qui motive vos décisions, c'est quoi, sur quels critères vous prenez vos décisions, comment vos valeurs se traduisent dans l'action ou dans votre attribution des ressources, quand on sort ça, quel indicateur on devrait suivre, on se rend compte que ils ont une interprétation souvent très différente. Donc, le rôle, tu sais, du conseil en amont, c'est aussi de s'aligner, eux, sur qu'est-ce qui est important pour eux comme groupe, puis de l'expliciter, parce que là, c'est tout le monde pense qu'ils pensent pareil, puis s'ils ne l'explicitent pas, puis qu'ils le documente pas, bien, le risque, c'est que quand il y a des gens qui changent au conseil d'administration, bien, ils vont arriver avec, eux, leur nouvelle façon de voir les choses, puis ça risque de ne pas être la même s'ils ne refont pas cet alignement-là. Ça risque de recommencer à aller un peu dans différentes directions, notre boussole. Donc, si on veut la garder bien alignée, c'est important de prendre le temps d'aborder ces éléments-là en conseil d'administration puis de statuer parce qu'après ça, c'est eux qui vont donner la grande direction. Ils vont la faire, oui, avec la direction générale qui a une
c'est qu'ils ont son rôle à jouer aussi dans l'établissement de cette direction-là. Et à la fin du jour, c'est quand même le conseil, à mon avis, qui doit juste statuer sur dans quelle direction on va. Sophie, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, on fait ça sur combien de temps? C'est quoi la méthode? Puis je vais vous poser la même question aux deux autres aussi. Là. Je suis curieux de vous entendre. Il y a peut-être plusieurs écoles là-dessus. Mais moi, je suis de l'école d'avoir un plan à court terme parce que les planifications, à 5 ans, c'est vraiment trop long. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer en 5 ans. Ça se fait plus, ça. Il fut une époque, je pense que c'était viable parce qu'on avait peut-être une autre culture différente dans les entreprises. Aujourd'hui, 5 ans, c'est vraiment plus viable. 3 ans, je trouve ça même long. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Donc, moi, en fait, je suis partisante de créer une vision à long terme, de savoir où est-ce qu'on veut se rendre, qu'est-ce qu'on veut façonner comme monde autour de nous, c'est comment est-ce qu'on veut influencer notre territoire, comment est-ce qu'on veut favoriser notre bien-être social autour de nous, qu'est-ce qu'on veut devenir en tant qu'organisation. Ça, c'est des questions clés et ça, on peut voir ça à long terme. Une fois qu'on a défini ça, on peut se faire des plans à court terme, pas à court terme, des plans un an, faire un exercice chaque année pour définir c'est quoi notre plan de match en fait par rapport à ça. Donc en fait, de faire des plans à un an, c'est pas vraiment, c'est comme à la limite du plan d'action et de la planif stratégique, c'est-à-dire que tu te mets des axes de travail principaux, puis après tu te mets c'est comment on fait pour y arriver, puis tous ensemble, comment est-ce qu'on fait pour y arriver, c'est quoi notre plan de match, mais comment est-ce qu'on le suit, c'est quoi nos rôles et responsabilités. Tu sais, on définit un paquet d'affaires là-dedans que chaque année on sait ce qu'on a à faire, mais on sait quelle vision on veut atteindre, puis du coup chaque année on va pouvoir corriger la trajectoire par rapport à la vision qu'on s'est donnée. La vision, elle ne va pas bouger pendant un bout de temps et puis on corrige notre trajectoire au fur et à mesure avec le plan d'action un an. Ça, je trouve que c'est une bonne pratique, mais c'est rarement ce que je fais avec les organisations avec qui j'ai travaillé. On a fait des plans à 3 ans, on a fait des plans à 2 ans, on a rarement fait des plans à 1 an. Pourtant, je trouve que ça serait, moi, je trouve qu'on y gagnerait à travailler un peu différemment parce que sinon, on se fait des tas d'affaires. Déjà, quand on met des plans à long terme, on a tendance à mettre trop de changements. Là, on met plein d'affaires, beaucoup trop de choses et on n'arrive pas à tout faire. Du coup, on a du mal à prioriser. On finit par s'y perdre, on ne sait plus. Et puis, au cours de route, il y a plein d'autres choses qui vont s'ajouter parce que c'est le contexte qui fait qu'il y a plein d'autres choses. Puis finalement, on vient à créer de la turbulence en fait en faisant ça. Catherine? Un an, 3 ans, 5 ans. Ouais, je suis d'accord avec Sophie sur la portion vision qui devrait être envisagée à très long terme et qui ne devrait pas changer d'une année à l'autre. Là. Une vision, c'est comme notre étoile du Nord. Là. Ça ne devrait pas changer. Ça devrait tout être la même. Ensuite de ça, comment on l'aborde? Bien, moi, quand j'interviens avec les OBNL, on fait un chemin critique sur habituellement un horizon de 5 ans à peu près. Chemin critique, c'est en gros, c'est dire, bien, OK, qu'est-ce qu'on a besoin de rassembler comme ingrédients pour progresser vers cette étoile du Nord-là, vers ce grand rêve-là. Et puis, ce chemin critique-là, ça va être des grands projets. Mais souvent, ces grands projets-là qui sont stratégiques vont se décliner en sous-étapes. Fait que là, on décortique l'éléphant. Je leur dis, on ne pourra pas tout faire ça. Donc, le chemin critique, c'est par quel on commence, comment on les articule dans le temps, c'est quoi les différentes étapes, qu'est-ce qui vient avant l'autre. Et puis, ce chemin critique-là, sur 5 ans, tu sais, ça va vite 5 ans là, quand même. Après ça, une fois que ce grand chemin-là il est fait, là, on regarde 1 an. Qu'est-ce qu'on mange cette année? C'est quoi la petite bouchée qu'on va faire cette année, le premier pas qu'on peut faire pour ces différents éléments-là? Puis ça va changer d'une année à l'autre. C'est là que la grande variabilité, à mon avis, s'opère. C'est que là, on pensait avancer lui en priorité, mais finalement, c'est l'autre projet qui va parce qu'il y a des délais, parce qu'il y a X, Y, Z. Donc, en faisant le suivi annuel, comme Sophie le propose, bien, là, on peut se réajuster, mais de garder quand même un horizon moyen terme reste pertinent, à mon sens, pour garder la direction et rester dans une posture plus proactive que réactive. Claire, est-ce que tu rajouterais quelque chose là-dessus? Moi, je vais rarement au-delà de 3 ans dans une planification stratégique, un plan d'action. Cependant, je fais toujours ce que j'appelle une projection inversée. On se projette dans 10 ans, puis on revient aujourd'hui voir si on est dans la bonne direction. Je dirais qu'une planification 3 ans, de toute façon, peu importe le temps qu'on met, il faut,
faut la nourrir, faut le visiter, faut le revisiter, notre plan d'action. Et ce qui fait partie plus du quotidien des OBNL, c'est qu'un conseil d'administration, aux 2 ans, il y a des élections. Donc, souvent, on est obligé de ramener ça, de réexpliquer. Un conseil d'administration, quand on a quelqu'un, des gens très impliqués, ça va, mais nourrir le conseil d'administration, je pense, le rôle de la DG, je reviens au rôle, le rôle du ou de la DG, parce qu'il faut qu'il ramène, et oui, le conseil d'administration prend la décision finale, mais c'est souvent par rapport à tous les éléments, toutes les informations que la DG ou le DG va amener. Donc, 3 ans, je ne dépasse pas ça, mais je recommande aux gens de ramener le plan d'action, le plan stratégique à toutes les CA pour s'assurer qu'on suit bien, que le conseil d'administration suit bien, parce que sinon, on les perd à un moment donné, là, sont moins présents, donc sont pas dans le quotidien. Donc, 3 ans max, mais visitez-le régulièrement. Petite note éditoriale, mesdames, je veux juste clarifier des choses avec les gens qui nous écoutent. Vous entendez 3 consultants avec 3 visions différentes. Ça va être votre quotidien dans votre vie d'entendre différentes versions. Les 3 réponses sont tous bonnes, mais ça applique à certains contextes qui sont différents et ça applique à certaines visions de faire qui sont différentes. Puis en planification stratégique, il y a beaucoup d'écoles différentes qui ne sont pas nécessairement en opposition, mais qui peuvent vous faire prendre des chemins différents pour arriver au même exercice par la suite. Je trouve ça super important de le dire parce qu'on pourrait avoir la perception que vous dites des choses qui sont différentes, qu'en réalité, chaque modèle peut avoir son utilisation qui est spécifique à une organisation. Puis, il ne faut pas avoir peur de se faire proposer des choses différentes. Puis, en planif stratégique, il y a vraiment des écoles de pensée qui peuvent être différentes là-dessus. L'important, puis là, je vais poser la question peut-être plus directement, parce que très souvent, quand on fait un plan qui dépasse le 12 mois, bien, ça atterrit sur une tablette ou ça défraîchit. Ou le fameux fichier Excel qu'on fait avec le plan d'action, ben, on se ramasse avec « Ah, on a fait les choses importantes, puis tout le restant, ben, on ne l'a pas fait. » Là, on arrive dans la future planification stratégique, puis on se rend compte qu'on n'a pas fait la moitié de ce qu'on voulait faire. Je suis curieux de vous entendre sur le fait de ne pas tabletter l'outil, puis en même temps, comment on le garde vivant sur 12 mois, 24 mois, ainsi de suite. Parce que le faire, c'est une chose, le garder vivant, et pertinent, c'est une autre chose. Catherine, je commencerai avec toi. Je pense que les gens ont besoin de sens, donc de que ce soit clair de où on s'en va à long terme, c'est essentiel pour que c'est le raviver ce sens-là de pourquoi on fait les choses, on ne fait pas ça pour rien. Ensuite de ça, ce que j'ai vu par le passé aussi, c'est des planètes stratégiques qui... Le voir à long terme, c'est une chose. Le voir à court terme, c'est est-ce qu'on a pris en compte les capacités de l'organisation? Parce que souvent, c'est ça qui va faire en sorte que c'est tabletté. Tu sais, j'ai vu des planifs stratégiques, des fois, avec des pages et des pages de tableaux, de trucs à faire. Pour une équipe de 2 personnes. Mais voyons donc, il n'y a comme aucune chance qu'on puisse mettre ça en place sans se décourager. Là, donc, ça, c'est le... Dans les éléments, est-ce qu'on a considéré les capacités de l'organisation humaine, financière, mais aussi c'est où l'organisation se trouve en ce moment? T'sais, si elle est en crise ou en hypertension, que ça ne bouge pas, ben, on ne peut pas arriver avec des grandes actions ou des grands rêves qui vont tout révolutionner. Là, on commence par sortir la tête de l'eau, puis ça va être ça la première étape. Puis après ça, on pourra bâtir là-dessus. Fait que, y a ça aussi qu'il faut considérer, à mon avis, pour pas que ce soit tabletté, parce qu'il faut que ce soit vraiment collé, mais ça ne nous empêche pas de rêver puis de voir à long terme, mais allons-y par étapes. Ensuite de ça, l'autre élément, c'est de considérer les capacités des personnes qui sont responsables. Tu sais, tu parlais, Stéphane, s'il y a 2 personnes, bien, ça, c'est une chose. Puis est-ce que, dans le fond, le plan correspond aux compétences des personnes qui vont le mettre en œuvre? Si on parle de développer les affaires gouvernementales puis que ta DG est dans son coin puis elle ne veut pas parler à personne, c'est sûr, ça va être tabletté, là, ça ne pourra pas être réaliste. Donc, ça, c'est aussi à considérer, je pense. En faire moins, mais le faire mieux. Ça aussi, c'est une autre option pour ne pas se décourager. Puis, tu sais, Sophie, je pense qu'elle va pouvoir en ajouter sur la théorie de gestion de changement parce que c'est beaucoup là que ça intervient aussi pour être sûr que ce ne soit pas tabletté. Puis,
qui est dommage, c'est que dans les plans qui sont subventionnés, par exemple, par Service Québec, c'est que c'est juste le plan qui est subventionné et non pas l'accompagnement pour la mise en œuvre après. Donc ça pourrait être à considérer si vous avez les moyens d'avoir des suivis pour la ritualisation, pour s'assurer que ça soit intégré dans les pratiques. Claire avait d'excellentes suggestions pour l'intégrer au CA tout le temps. Je suis entièrement d'accord avec ça. Donc, l'aspect ritualisation après est à considérer. Comment on va faire en sorte que c'est intégré dans nos suivis, nos façons de faire, notre vie quotidienne. Oui. C'est phénoménal de voir les ordres du jour qui ne correspondent pas du tout à la planification stratégique. Oui. Tu sais, qu'on n'intègre pas ni les principaux objectifs, ni les rappels. Oui. Sophie, on parlait de question de changement là-dedans. Tu voulais aller où avec ça? Hein? Oui, ben, c'est sûr que pour pas que ça reste sur une tablette, il faut que le plan appartienne aux gens. Si le plan il reste sur une tablette, c'est que soit ben, il appartient à personne, c'est-à-dire qu'il a été créé quelque part puis personne ne se l'est approprié, soit il est trop flou, on n'a pas fait du concret, donc du coup, on ne sait pas trop quoi faire avec. Et donc, voilà, on le met sur une tablette, c'est plus facile. Donc, mais la meilleure façon pour pas que ça reste dessus, c'est vraiment, en fait, que si on... C'est vraiment de mobiliser les gens à travers le processus, en fait, à travers la création du plan pour qu'il appartienne à tous et aussi que chacun doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire à l'intérieur de ce plan. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de faire un plan. Après, il faut savoir qui fait quoi dans ce plan, comment on s'organise pour le réaliser, comment on s'organise pour en faire le suivi. Puis ça, il faut que ça soit dit en même temps que la finalisation du plan. C'est-à-dire, c'est comme une fois qu'on a fait le plan, il faut absolument faire l'étape de OK, comment on en fait le suivi et qui fait quoi. Si on ne fait pas ces étapes-là, ben, le plan, il va rester dans les airs. On a un beau plan, mais on ne sait pas comment le mettre en œuvre. Donc, il faut absolument définir ça dans le même temps de processus de planification. Il faut définir ces éléments-là. Comme ça, chacun repart avec son petit bout d'action à réaliser. Puis, il ne reste pas sur une tablette. Claire, pratiquement, comment tu as fait vivre ça dans ta vie, toi? En fait, partout où j'ai travaillé, j'ai pu faire des planifications stratégiques, puis c'est pour ça que j'en fais aussi beaucoup aujourd'hui. Je dirais qu'il y a deux choses. Une planification, un plan, il faut que ce soit flexible. Donc, et honnêtement, ce qui est le plus difficile, c'est d'arrêter quelque chose dans lequel on a mis beaucoup d'énergie, mais quand on se rend compte que ça ne fonctionne pas ou bon, que différentes choses qui arrivent, c'est le moment. Comme la COVID, par exemple. Comme la COVID, my God, la COVID et toute la post-COVID. Il y a tout aussi, je vous dirais, l'éducation populaire, l'éducation de notre CA, l'éducation de notre équipe, l'éducation de nos partenaires. C'est quoi un FOM, force, faiblesse, opportunité, menace? À quoi ça sert? C'est quoi un PESTEL? Tout ce qui est politique, c'est quoi notre environnement? Je pense juste à tout ce qui s'en vient. Il y a une réforme de l'aide sociale que la ministre a annoncée, qu'elle veut mettre en place à l'automne. C'est-à-dire la réforme de la santé et des services sociaux, l'environnement, ça bouge partout. Donc, si notre plan d'action n'est pas flexible, c'est là que ça va être tabletté. T'sais. Puis Sophie, Catherine, vous avez nommé d'autres choses aussi. Est-ce que notre équipe, est-ce qu'on a la capacité de l'équipe? Là, il y a un grand manque de main-d'œuvre. À un moment donné, en faire moins, mais mieux, c'est beaucoup. Flexibilité, éducation populaire pour l'ensemble des gens qui participent à cette planification-là. Il faut informer les gens. C'est quoi? À quoi ça sert? Où est-ce que ça va nous amener? Tous les enjeux qu'une organisation a à gérer, là, à compléter, à travailler avec, là, c'est énorme. Fait que cette éducation-là, au fur et à mesure, c'est extrêmement important. J'aimerais ça ajouter là-dessus par rapport aux outils aussi, dans le fond, de s'outiller pour être capable de la faire vivre. Puis souvent, c'est un petit peu ce qui manque après, c'est qu'ils ont de la volonté et tout, mais le comment concrètement, là, mais ça, on met des aides-mémoire, des actions plus de communication, de tout à fait dans le sens là, que Claire souligne, là, on vient les aider à pérenniser leur exercice aussi. Le formateur en moi voudrait peut-être rajouter une ou deux petites choses. La première chose, le plan stratégique, le plan d'action, les deux devraient devenir des outils de gestion. Planifier, entre autres, nos embauches, planifier nos ressources financières en fonction de l'atteinte de ce plan-là. Poser la question au comité finance, avons-nous les moyens de nos ambitions aussi?
Puis mes amis les DG qui sont à l'écoute, là, rajoutez une colonne à la fin de votre planification, de votre plan d'action avec les ressources humaines. En nombre d'heures. Chaque initiative représente combien d'heures? Faites le total de votre colonne, puis vous allez voir des fois vos planifs stratégiques vous demandent de doubler votre équipe ou de quadrupler l'équipe. Là, j'ai vu ça, là. Fait que, tu sais, ça ramène à une conversation avec son conseil sur la priorisation par la suite aussi. Très souvent, les plans stratégiques amènent un plan d'action qui devient une liste d'épicerie, mais une liste d'épicerie où on a tellement de choses que le panier ne sera jamais assez gros pour tout contenir aussi. Puis, il y a une question intéressante de Geneviève, puis je vais me permettre de donner mon avis avant, puis après ça, je vais vous écouter après. Qui doit mener le travail de la planification stratégique? Le formateur en gouvernance que je suis, va dire que c'est une prérogative qui devrait être initiée, suivie et supervisée par le comité de gouvernance du conseil d'administration. La stratégie, c'est une prérogative principale pour impliquer aux administrateurs. Tantôt, il y a quelqu'un d'autre qui disait « Ouais, mais mes administrateurs ne sont pas bien ben disponibles pour faire l'exercice. » En réalité, ça devrait être leur principale raison d'être autour de la table, c'est de voir, d'être gardien du futur aussi, là. Fait que ça, ce serait mon premier élément de réponse, mais je serais curieux de voir si vous avez une autre vision sur la responsabilité de la planification. Sophie? Oui, ben, c'est ça, tout le monde est responsable de la planification parce que la planification, ça dirige les actions de l'OBNL ou de l'organisation. Donc, tout le monde en est responsable. C'est la concrétisation de la mission et de la vision. Donc, je veux dire, il n'y a personne, tu sais, je veux dire, tout le monde est sur le même pied d'égalité pour ça. Après, dans les divisions des rôles, ben, c'est sûr que tu sais, pour moi, le DG, il est un peu comme le chargé, je lui mettrai la casquette du chargé de projet qui va organiser, stimuler, faire en sorte que ça fonctionne, évidemment qu'il puisse quand même participer en termes de contenu à la planification. Puis après, ben, le CA, les membres, je veux dire, ils sont, je veux dire, ça leur appartient, quoi. C'est ensuite à eux d'agir pour concrétiser le plan. Et le DG, lui, ben, il est là pour que ça fonctionne, que ça se fasse. C'est un peu comme le chef d'orchestre. Catherine? Moi, je dirais que j'ajouterais la notion d'imputabilité. Fait que, tu sais, c'est, oui, tout le monde est responsable, mais qui est imputable à la fin du jour, à mon avis, ça serait la présidence quand même qui doit s'assurer que la présidence devrait être présente, en fait. De ce que j'ai vu, quand la présidence ne s'implique pas, ça a un impact sur le succès de la démarche et la pérennité de la démarche. Claire? Moi, je ferais peut-être une petite nuance entre la théorie et les faits. Donc, pour avoir eu beaucoup, beaucoup de CA dans ma vie, en théorie, effectivement, le CA doit être impliqué, est imputable et tout ça, mais dans les faits, c'est majoritairement la DG le DG qui fait le travail. Donc le DG a beaucoup d'informations à donner à son conseil d'administration. À savoir si c'est la DG, le CA externe, moi, j'ai fait faire des planifications stratégiques à chaque endroit où j'ai travaillé et je l'ai toujours donné à l'externe parce qu'à l'externe, la personne, la firme qu'on embauche a toujours une vue d'ensemble. Donc, elle voit la forêt plutôt que de voir juste l'arbre. Donc, moi, j'ai toujours donné ça à l'externe, justement pour avoir cette vision-là, parce qu'à l'intérieur d'une organisation, et je dis, les DG, si on vous demande, êtes-vous capable de le faire, je vous dirais majoritairement, les DG sont capables de le faire, mais est-ce qu'ils ont le temps, c'est une autre. Et il y a aussi toute la culture. C'est plus facile de l'extérieur, voir la culture organisationnelle, qu'est-ce qui se passe dans cette OBNL-là, que de le voir vraiment quand tu es à l'interne, que tu as le nez collé sur ton arbre. Fait que moi, j'ai cette tendance-là. J'aimerais ça ajouter quelque chose là-dessus, parce que c'est tout à fait clair. Puis non seulement ça, mais de l'externe aussi, des consultantes comme, mettons, toi, qui a plein d'expérience, qui en a vu beaucoup, peut identifier les bonnes pratiques, savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et les amener dans l'organisation qu'elle accompagne aujourd'hui. Puis il y a toute la notion aussi
de connaissances complémentaires. Tu sais, dernièrement, on avait utilisé des business model Canva, donc des modèles. D'habitude, c'est économique. Bien là, nous, on utilise aussi la version sociale et environnementale. Donc, en amenant des outils complémentaires, des façons de voir l'information complémentaire, on vient d'ouvrir le champ des perspectives aussi. Chose que peut-être vous n'avez pas le temps de voir dans votre travail de tous les jours, alors que nous, ben, c'est notre travail de s'informer, de s'assurer d'être toujours, tu sais, à la fine pointe de qu'est-ce qui se passe, des outils, des tendances, etc. Donc ça, on peut amener ça aussi quand on est de l'extérieur. Puis un regard peut-être un peu moins complaisant aussi, dans le sens où des fois, quand on est de l'intérieur, il y a certains petits bobos qu'on aime moins voir ou dont on aime moins parler, mais qui c'est important qu'on les aborde, qu'on les adresse. Donc une personne de l'extérieur a cette... peut-être cette impartialité-là, plus puis cette légitimité-là de pouvoir les relever ou les ressoulever. Claire, peut-être une petite précision par rapport à ce que tu viens de dire. C'est souvent le DG qui récupère le dossier. Je suis tout à fait conscient que dans les organisations, on est dans une gouvernance démocratique. Effectivement, le langage qu'on a autour de la planification stratégique est des fois celle du DG. Mais ce que je remarque, c'est que beaucoup de conseils d'administration qui se sont dotés d'administrateurs indépendants ou qui sont allés vers plus une gouvernance qu'on va appeler stratégique ou professionnalisée, qui peut avoir un paquet de termes, on voit des conseils d'administration qui s'approprient dans ce type d'organisation-là beaucoup plus la planification stratégique à bien des niveaux. Catherine, tu viens de parler du business model canvas, puis je vais être curieux de vous entendre. Ça, moi, j'ai toujours qualifié ça comme une discussion sur le modèle d'affaires qui venait après la planification stratégique. De se dire, puis curieux de vous entendre sur le fait de dire, le NIF nous dit où on va, ce qu'on veut atteindre, mais on devrait avoir une discussion sur comment on s'organise comme organisation avant d'aller au plan d'action qui dit quelles vont être les actions qu'on prend. C'est intéressant, moi ça me fait réagir parce que dès le début, la question c'est comment on crée de la valeur. Comment on crée de la valeur à la fois sociale, comment on crée de la valeur environnementale, comment on crée de la valeur économique pour que ça soit pérenne. Fait que si on ne se demande pas comment on crée de la valeur au début, puis dans le fond, c'est quoi notre raison d'être, il faut que ça soit lié. Il faut que tu saches comment tu amènes de la valeur dans le monde, c'est quoi tes compétences, dans quoi tu es bon comme organisation, puis après ça, c'est quoi les opportunités de ton marché. Du marché étant pas juste économique, là, mais les opportunités de régler des problèmes, des enjeux, d'avoir une place. Puis quand tu fais le croisement de ces trois sphères-là, là, tu peux créer de la valeur. C'est là que tu vas être pertinent, que ça va être plus facile de perdurer dans le temps puis d'avoir l'impact que tu veux avoir. Si tu ne poses pas cette question-là en amont, à mon sens, tu n'es pas tant stratégique. Tu vas être plus réactif. Tu vas t'adapter à ton environnement quand tu vas être confronté à des problématiques versus quand tu prends le temps de regarder ça avant, de te poser les questions avant, de te positionner, là, tu es beaucoup plus stratégique. Tu n'es pas dans une approche de conformité, de je vais répondre aux lois ou aux règles ou qui me sont amenées, mais là, c'est toi qui prends le... On rit beaucoup, on dit tu prends le contrôle de ton choisir. Tu vas définir toi, c'est ton organisation, où elle peut aller. Concrètement, sur le terrain, là, c'est sûr que ce n'est pas ça qui se passe dans la vraie vie, mais on essaie d'aller, en tout cas moi, personnellement, avec ma clientèle, on essaie d'aller plus vers une approche plus proactive que réactive. C'est pour ça qu'on l'intègre dès le début dans notre diagnostic. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que Catherine vient de dire, puis je vous invite à y réfléchir, tout le monde, par la suite, c'est l'idée de la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Traditionnellement, il y a beaucoup de conseils d'administration dont leurs travaux sont concentrés sur leurs membres ou leur clientèle ou leurs participants. Mais on doit de plus en plus intégrer l'ensemble des autres parties prenantes. Prenez juste, traditionnellement, dans les planifications stratégiques, le volet des employés était souvent négligé. Maintenant, avec ce qui se passe, on n'a pas le choix de les considérer comme étant au centre de nos travaux, nos bailleurs de fonds, nos autres parties prenantes aussi. Fait que je pense qu'il faut avoir une vision des fois un petit peu plus large. Puis dans les exercices de préparation, peut-être prévoir un exercice qu'on ne faisait pas avant, qui est un exercice de cartographie des différentes parties prenantes. C'est qui les gens qui ont une influence sur le final de notre mission, pas sur l'organisation, mais sur le final de notre mission, puis comment on peut les considérer
dans notre planification stratégique pour être capable de les intégrer à maximiser cette mission-là aussi. Puis ça, c'est, je dirais que c'est des concepts en gouvernance qui sont relativement récents de création de valeur, mais étendus. Puis je suis content que tu en parles. C'est sûr qu'avec la vision de développement durable que tu as, c'est sûr que c'est au centre du discours. Je voulais juste rebondir parce que justement, l'Université Laval ils ont créé un canevas de projets responsables et un canevas, tu connais peut-être ça, Catherine, mais en tout cas, c'est vraiment bien ces canevas-là. Mm-hmm. Peut-être que ça serait intéressant de les partager à l'Assemblée parce que je les trouve vraiment très, très bien faits. En fait, il y en a deux qui sont vraiment bien faits et qu'on pourra peut-être vous partager ça. Là, je pourrais le faire dans le chat, mais j'étais concentrée sur vous écouter, fait que je n'ai pas fait ça, mais je pourrais le transmettre après, là. L'autre chose, c'est cartographie des parties prenantes. C'est sûr que c'est comme une des premières actions à faire quand on se fait un plan, quel qu'il soit. Il faut savoir qui ça touche, qui est impacté, qui doit faire quoi, qui doit changer, parce que ça permet vraiment après de diriger ses actions. Parce que si on veut mobiliser tout le monde, nécessairement, il faut aller chercher du feedback, il faut aller interpeller les gens. Donc, la cartographie des parties prenantes, moi, c'est un des premiers trucs que je fais. Bien. Il y a quelqu'un qui peut mettre le lien dans le chat. À ce niveau-là. Écoutez, on arrive vers la fin. Je suis curieux, comme dernière question, vous demander qu'on parle de la partie communication puis de la partie implication de tout le monde, vraiment. Là, c'est beau de le concevoir, c'est beau de l'avoir, c'est beau que ce soit le CA puis la DG qui le fait, mais après ça, là, comment ça se rend jusqu'aux membres pour se dire « ça vaut la peine que je paye mon membership cette année ». Comment ça se rend jusqu'aux bénévoles qui disent « écoute, cette organisation-là est inspirante, je veux continuer à m'impliquer ». Parce que c'est, puis là, on parle du volet humain, là, je viens de parler bénévoles, comment les employés, parce que ça va faire la planification stratégique va faire partie de notre marque employeur aussi. Claire, je commencerai avec toi. C'est sûr que la communication, c'est encore une fois, tantôt je disais, il faut que ça soit flexible, il faut que ça soit compris, mais le communiquer, parce que souvent, il y a des organisations qui font des planifications stratégiques, puis il y a peu de gens qui en connaissent le résultat. Donc, le diffuser le plus possible, l'expliquer, faire des rencontres, je veux dire, il y a plein de moyens de communication qui sont en place, là, qu'on peut utiliser, puis c'est pas une question de coût, il y a des moyens de communication qui ne coûtent pas, mais un plan de com devrait faire partie d'une planification stratégique. Comment le diffuser dans le langage adapté aussi, je pense toujours à certaines clientèles, donc le langage adapté là, aux bonnes personnes, aux bons publics cibles, mais communiquer, publiciser, le faire connaître, c'est un autre élément clé. Là. Ne serait-ce que juste commencer par profiter de l'AGA. Mm-hmm. Puis, T'sais, on a toujours le traditionnel rapport d'activité, mais il faudrait peut-être commencer par ce que nous donne l'avenir avant de parler de ce qui s'est passé dans le passé. Sophie, puis après ça, je terminerai avec Catherine. En fait, c'était très, très juste, là, Claire, ce qu'a dit. J'en ai pas tant de plus à dire que ça. Il faut se mettre en place des mécanismes de com. Puis c'est une très bonne chose de le faire dès le plan stratégique, de l'inclure là-dedans, parce que comme ça, on sait ce qu'on va faire. Puis il faut se donner des mécanismes de com faciles à faire, souvent, parce que les gens, ils ont besoin d'être informés plusieurs fois. C'est pas parce qu'on a dit une fois une chose que les gens, ils l'ont compris puis ils l'ont retenu. Donc, il faut avoir un mécanisme de com qui est intelligent, pas surchargé, mais en même temps, les informer souvent. Puis dans les mécanismes de com, il faut aussi inclure le dialogue, c'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent avoir leur mot à dire, des questions à poser, des suggestions. Faut que la valeur de la com aussi, elle se mesure au dialogue qu'on instaure avec ses parties prenantes. Donc, dans le plan de com, il faut instaurer ce mécanisme-là. Mais effectivement, la communication, c'est comme essentiel. On ne peut pas faire un plan puis le dire à personne, ça n'a pas de sens. Moi, je compléterais. Ouais, je compléterais sur les célébrations.
Parce que dans le fond, pour garder quelque chose de vivant, de positif, il faut montrer que ça avance. Fait que oui, c'est important de dire que ça a été fait, mais de montrer comment ça s'actualise, comment ça se vit, ce plan-là. T'sais, de dire, ben là, on est rendu à tel jalon, et on a réalisé telle étape, on est content. De montrer que c'est, on est optimiste, que ça avance bien. Mais quand ça avance bien, là, mais d'en discuter au moins, puis de le prévoir. T'sais, si on prévoit qu'il faut qu'on en parle, que ça avance, bien là, on n'a comme pas le choix de faire en sorte que ça avance. Puis ça peut créer aussi ou alimenter l'émulsion à partir du moment où on communique qu'on avance ce plan-là. Bien, si ça n'avance plus, à un moment donné, bien, il y a des gens qui vont poser des questions, puis ça peut favoriser le fait de se recentrer puis se refocuser sur la direction qu'on veut prendre. Puis l'aspect célébration a un pouvoir qui est quand même sous-estimé bien souvent. Ça amène une espèce de roue positive d'engagement, de fierté, de mobilisation des parties prenantes dans la réalisation du plan. Juste, je voudrais ajouter quelque chose, l'importance du plan de com, de communiquer, tout ça, ça évite beaucoup, beaucoup les perceptions, les interprétations qui peuvent se passer à l'intérieur d'une organisation. Donc, quand on fait un plan de com, on informe les gens de faits réels, à partir de faits réels et non pas d'interprétations et de perceptions qui se véhiculent. Puis parfois, il faut ramener certains éléments. Donc, le plan de com est super important. Maîtriser l'information. Ça, si on laisse du vide, il va se remplir. Mais peut-être pas avec ce qu'on veut. Aussi. Merci à vous trois. Écoutez, si je résume, puis si je me fie aussi à ce que je vois au quotidien, puis dans toutes les formations que je fais, le plan stratégique, oui, on a ça dans les grandes entreprises, on a ça dans les PME, mais au niveau des OBNL, c'est peut-être un des outils de gestion les plus importants qui est sous-utilisé et négligé pour l'instant. Là, vous vous dites, écoute, là, moi, je suis la DG d'un organisme d'un employé, puis c'est moi-même. Vous devriez quand même en faire un. Vous êtes une organisation qui est 100% bénévole, pas de DG. Ça n'a pas besoin d'être un exercice qui est compliqué. Là. T'sais, y a la théorie de ce qu'on appelle, vous regarderez, j'ai juste le terme en anglais, là, mais le one-pager plan, t'sais, le plan stratégique qui tient sur une page avec trois objectifs stratégiques, une dizaine d'actions, ça peut être aussi simple que ça. Fait qu'il y a moyen d'aller chercher une grosseur d'organisation ou une grosseur de processus qui va être adapté à la grosseur de votre organisation. Il n'y a pas vraiment de raison de ne pas en faire une. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux que vous vivez à la fin, à the end of the day, à la fin de la journée, qui viennent de l'absence ou de la sous-utilisation du plan stratégique. Ça devrait être votre premier outil de gestion. Vraiment, votre ordre du jour devrait être fait en fonction de l'atteinte de vos objectifs. Je vais même dire que les DG devraient être évalués en fonction de l'atteinte des objectifs stratégiques parce que c'est votre commande quand vous engage. Logiquement, c'est de livrer des résultats face à cette vision-là et à l'attention de la portée de mission que l'organisation se donne. Sur ce, je vous remercie encore toutes les trois. Je vous remercie tous ceux qui ont participé ce matin. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez du soleil. À la prochaine dans une autre de nos activités. Bye bye. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.